You want some breakfast? I want some cornflakes. Can I have some of your cornflakes? Oh, I don't want none. I won't eat none if you don't want to. Ooh, look at that pretty horse there. Is that a white horse? See? Oh, now stand up. Look over there. Stand up. You gotta stand up over that field. See the big one there, he is? Mes plus anciens souvenirs avec mon père, c'était quand on marchait dans les aéroports, encerclés par la foule. Je sentais sur ma poitrine les vibrations des applaudissements et des hurlements des gens. Je regardais mon père en me demandant « Qui est cette personne ?» C'était tout le temps comme ça. Partout où on allait, les gens lui disaient « Tu es le meilleur, on t'adore !» et il criait son nom. J'aimais sentir l'énergie et l'amour qu'il recevait. Lorsqu'on pense à Mohamed Ali, on voit cet homme vulnérable qui allume la flamme à Atlanta. Tout le monde l'aime, les Noirs comme les Blancs. C'est un héros universel. Il est vénéré religieusement comme Bouddha. Mais jusqu'au milieu de sa carrière, et pas seulement au début, il était très clivant. Boo, yell, scream, throw peanuts, but whatever you do, pay to get in. Certains le détestaient, pour des raisons raciales, sociales, religieuses ou politiques, notamment après son refus de combattre au Vietnam. Ou simplement, ils ne le supportaient pas. Et puis d'autres l'adoraient. Il ne laissait personne indifférent. Look how pretty I am. Trim legs and my beautiful arms and a pretty nose and mouth. I know I'm a pretty man. I know I'm pretty. You don't have to tell me I'm pretty. I'm cocky, I'm proud. You never talk about who's gonna stop me. Well, ain't nobody gonna stop me. I say what I wanna say. Ain't no more big niggas talking like this. He was a pioneer. C'était un pionnier, un révolutionnaire, un précurseur. Il était considéré comme le plus grand. I am the greatest. I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I can drown a drink of water and kill a dead tree. This will be no contest. Wait till you see Muhammad Ali. Avoir un tel culot, quand on était noir aux États-Unis, ce n'était pas banal. Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high. And I just don't think I should go 10,000 miles from here and shoot some black people that never called me nigger. I just can't shoot it. I always wonder why Miss America was always white. Santa Claus was white. White swan soap, king white soap, white cloud tissue paper, and everything bad was black. Black cat was the bad luck, and if I threaten you, I'm gonna blackmail you. J'appréciais sa compagnie. J'adorais être auprès de Mohamed Ali. The price of freedom comes high. I have paid, but I am free. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. A winner and still heavyweight champion of the world. Keep on running, cause the winner don't quit on themselves. Mohamed Ali se définissait comme the greatest, le plus grand, et il l'a prouvé au monde entier. Il est le maître incontesté de ce qu'on appelle le noble art, la boxe, un sport aussi beau que violent. Champion du monde poids lourd à tout juste 22 ans, il fixe ses propres règles sur le ring comme à la ville. Il exaspère ses détracteurs, déroute ses opposants et rassemble des millions de fans. Au plus fort du mouvement des droits civiques, il rejoint une secte séparatiste dont le chef contrôle pendant un temps sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. Le boxeur dit ce qu'il pense et s'en tient à ses principes, même si cela lui coûte cher.
Il réinvente la masculinité noire, ce qui ne l'empêche pas de rabaisser ses adversaires en utilisant les termes racistes qu'il a appris enfant dans le sud des États-Unis. Suspendu à cause de ses convictions politiques, Muhammad Ali finit par remonter sur le ring en outsider. Il récupère son titre par deux fois et devient l'homme le plus célèbre du monde. Toute sa vie, il a éprouvé le besoin d'être adulé, cherchant le contact avec la foule dans la rue, dans les halls d'hôtels, dans les aéroports. Et partout où il va, il se réjouit de procurer autant de joie à chacun de ses admirateurs. Il gagne des fortunes qu'il dilapide. Il est généreux avec sa famille, ses amis et même les étrangers. Il aide ceux qui sont dans le besoin et, comme il le répète, servir les autres est le prix à payer pour sa place ici-bas. Même quand son corps commence à le trahir et que son cerveau a pris trop de coups, il continue à boxer, incapable de se passer de l'attention et de l'excitation qui accompagnent chaque combat. Plus tard, diminué par une maladie handicapante, il trouve refuge dans la foi, devenant un symbole de paix et d'espoir sur tous les continents. Muhammad Ali est, pour reprendre les mots du romancier Norman Mailer, l'esprit même du XXe siècle. I'm always going to be one black one who got big on your white televisions, on your white newspapers, on your satellites, million-dollar checks, and still look you in your face and tell you the truth and 100% stay with and represent my people and not leave them and sell them out because I'm rich and stay with them. That was my purpose. I'm here and I'm showing the world that you can be here and still free and stay yourself and get respect from the world. Muhammad Ali est né Cassius Marcellus Clay Jr. le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky. He weighed about 6 pounds, 1 ounce, so I wouldn't call that a very large baby. He learned to talk before he was 1 year old, and he's always been a great talker. Ses parents, Odessa Grady Clay et Cassius Marcellus Clay Sr., se marient en 1941 et achètent une petite maison située au 3302 Grand Avenue dans le West End de Louisville, un quartier noir occupé par les classes moyennes et populaires. Il y avait tout ce qu'il fallait à West End. On avait nos banques, nos commerces, notre journal. C'était un quartier où on se sentait en sécurité. Je ne me souviens pas de la première fois que j'ai rencontré les Clay. C'est comme si je les connaissais depuis toujours. Madame Clay aimait tout le monde dans le quartier. On savait que s'il nous arrivait quoi que ce soit, on pouvait toujours frapper à sa porte. Odessa fait la cuisine et le ménage pour des familles blanches et se rend tous les dimanches à l'église baptiste de la ville. Mama Bird, ma grand-mère, était très douce, calme et agréable. Elle ne disait jamais de mal de personne. Elle était positive et croyante, ouverte et affectueuse. Elle était gentille et sincère. Mon père a hérité de la douceur et de la gentillesse de sa mère, Mama Bird. Le jeune Cassius ne tient pas en place. Il sort les casseroles et les poêles du placard pour taper dessus, court après la poule dans le jardin et se lève dans sa poussette pour avoir un meilleur point de vue. Tout petit déjà, il avait beaucoup de personnalité. Il riait et souriait tout le temps. Il amusait les autres. Ma grand-mère disait « Ce garçon va devenir quelqu'un ». 18 mois après la naissance de Cassius, Odessa donne naissance à un deuxième fils qui reçoit le prénom de la star du cinéma muet, Rudolph Valentino. Cassius et Rudy sont très proches. Lorsque son frère fait une bêtise, Cassius affirme que Rudy est son bébé et refuse que son père lui donne une fessée. Cassius Clay Sr., un artiste qui gagne sa vie en peignant des enseignes et des fresques murales, porte le nom d'un fervent abolitionniste blanc du 19e siècle. Il aime attirer l'attention, cite souvent la Bible et s'insurge contre la justice raciale. Cash, comme on le surnomme, est un véritable volcan, un homme tumultueux et sûr de lui.
Papa Cash était drôle et charismatique. Il avait une forte personnalité. Quand il entrait dans une pièce, il l'illuminait de sa présence. Tout le monde voulait lui parler et faire sa connaissance. Notre père chantait, dansait, peignait, dessinait, apprenait des poèmes. Mon frère lui devait son talent. Mon père tenait un peu de ses deux parents, c'est certain. Mais son charisme lui venait clairement de son père. Son père était un fervent défenseur des droits des Noirs. Il pensait que sa carrière, comme celle de tant d'autres, était entravée par sa couleur de peau. Il estimait être un artiste talentueux, mais pour joindre les deux bouts, il devait peindre des enseignes sur les devantures de magasins et des fresques dans les églises, parce qu'il n'avait pas les mêmes chances qu'un peintre blanc. Papa Cash est aussi un coureur de jupons qui peut être violent quand il a bu. Il se fait régulièrement arrêter pour trouble à l'ordre public et conduite dangereuse. Parfois, il battait sa femme et elle devait appeler la police pour se protéger. Je pense que pour les deux jeunes garçons, Cassius et Rudy, c'était traumatisant de voir leur mère en danger. Plus tard, en grandissant, ils s'interposeront pour la défendre. À la suite d'un incident, la police débarque au domicile des Clay et trouve le jeune Cassius blessé à la jambe. Son père lui a mis un coup de couteau alors qu'il tentait de protéger sa mère d'un nouvel accès de colère. Mais les forces de l'ordre n'en font pas cas. Malgré cette violence, Cassius et Rudy décrivent leur vie de famille comme étant paisible et heureuse. Mon père a grandi à Louisville, dans le Kentucky, un état du Sud marqué par la ségrégation. Il a eu une enfance difficile. Mama Bird disait que les gens étaient cruels, mais qu'ils ne devaient jamais devenir comme eux. À l'époque, Louisville est soumis à une ségrégation stricte et les Afro-Américains font l'objet de nombreuses restrictions. Cassius fréquente des écoles réservées aux Noirs. Il ne peut pas manger dans les snacks du centre-ville et à travers le grillage, il regarde les familles blanches s'amuser dans le parc du quartier. Très tôt, le jeune Cassius Clay a pris conscience des différences entre les Noirs et les Blancs et de la façon dont sa famille et lui étaient traités. Il demandait à son père « Pourquoi je ne peux pas être riche ?» Son père lui montrait la couleur de sa peau et répondait « Voilà pourquoi. » En 1955, Emmett Till, 14 ans, est torturé et sauvagement assassiné par des hommes blancs dans le Mississippi. Cassius Clay, qui a 6 mois de moins que la victime, est hanté par sa mort et par les photos de son visage mutilé qui ont été publiées dans Jet Magazine. Il a été profondément affecté par sa mort, comme beaucoup à l'époque. Il s'identifiait à Emmett Till. C'était un garçon de la ville, plein de vie. Il a sifflé une jolie fille et maintenant il est mort. Son visage est méconnaissable. La mort d'Emmett Till a été un vrai choc. Sa mère a voulu que le cercueil reste ouvert, de façon à ce que les gens comprennent la violence du geste. Donc tout le monde a vu. C'était effrayant pour tous les membres de la communauté. S'il lui avait infligé un tel traitement, qu'est-ce qu'il pouvait nous faire à nous? C'est à ce moment-là que les jeunes Noirs ont commencé à changer. À l'école, Cassius Clay a du mal à se concentrer. Il n'arrivait pas à suivre en classe. Il avait des difficultés en lecture, en mathématiques. Il était sans doute dyslexique. Comme beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes scolaires, il compensait en faisant le pitre. Par exemple, il venait à l'école avec un sac à main. Un jour, il a même mis du rouge à lèvres pour amuser la galerie. Il était prêt à faire des choses que des garçons n'avaient pas l'habitude de faire dans les années 1950. Jeune déjà, il était très populaire. Les gens se sentaient bien avec lui. Un jour d'octobre 1954, Cassius Clay, alors âgé de 12 ans, se rend à vélo dans le centre de Louisville avec son frère Rudy assis sur le guidon. Comme il se met à pleuvoir, les deux garçons se réfugient au Columbia Auditorium, où se tient un salon de l'électroménager. Une fois que la pluie a cessé, ils sortent et découvrent que le vélo a disparu. Il avait un vélo flambant neuf, un très beau modèle rouge qu'il partageait avec son frère. Il l'a cherché un peu partout, puis il est allé au centre socioculturel pour demander de l'aide. Quelqu'un lui a dit qu'il y avait un policier au sous-sol. Il
Il est descendu. Le policier s'appelait Joe Martin. Il donnait des cours de boxe. Cassius a raconté des années plus tard qu'à la vue de cette salle de boxe, il a oublié son vélo pendant une minute. L'odeur du cuir, la transpiration, l'excitation, les garçons qui s'affrontaient sur le ring, qu'il y ait des blancs et des noirs ensemble. Il a signalé le vol. Je vais retrouver ce type et le tuer. Joe Martin a dit, tu sais te battre au moins. Me battre ? Voilà comment tout a commencé. Son père rechigne à le laisser s'entraîner avec un policier blanc. Mais les cours sont gratuits et Cassius Clay a soif d'apprendre. Au début, Joe Martin n'est pas impressionné par le jeune boxeur. Il dira plus tard, il était tout à fait ordinaire et je doutais qu'on le remarque. Cassius n'avait pas de talent particulier, mais il faisait preuve d'une passion débordante. Il a compris instantanément que c'était ce qu'il voulait faire. La boxe était parfaite pour lui. Deux types s'affrontaient sur le ring et les regards se tournaient naturellement vers celui qui bougeait le plus, qui donnait le plus de coups, qui était le plus rapide, et c'était lui. Il savait que c'était le moyen idéal d'attirer l'attention. 6 semaines après être entré dans la salle de boxe de Joe Martin, Cassius Clay dispute son premier combat amateur. Juste après avoir vaincu Ronnie O'Keefe, 14 ans, par décision partagée, Cassius Clay annonce à tout le monde qu'il sera un jour le plus grand de tous les temps. Il était un peu vantard. Il se targuait d'être le plus grand avant même de le devenir. On lui disait « Tais-toi, tu parles trop !» Mais au fur et à mesure qu'il a progressé, on s'est mis à le respecter. Il croyait déjà en lui avant qu'on lui dise qu'il avait peut-être du talent. C'était franchement ridicule. Cassius se lance à corps perdu dans l'entraînement, bien décidé à muscler son corps frêle. Il remplace le soda par de l'eau à l'ail, censé, selon lui, réduire sa tension artérielle. Cassius Clay de Louisville, in the trunks with the white stripes, meet Jefferson Davis of Mobile, Alabama. Cassius Clay se rend vite compte qu'il est plus rapide et plus agile que la moyenne et qu'il peut esquiver les coups en se penchant en arrière plutôt qu'en se baissant ou en se décalant sur le côté comme on l'enseigne aux boxeurs. Cassius Clay, the winner, over Jefferson Davis. Certains soirs, après son entraînement avec Joe Martin, Cassius Clay traverse la ville afin de poursuivre sa formation avec Fred Stoner, un entraîneur chevronné qui a conduit de nombreux jeunes boxeurs vers la victoire au tournoi amateur des Golden Gloves. Il cherche également à profiter de l'expérience des professionnels en dehors de la salle de boxe. Il bombarde de questions le célèbre entraîneur Angelo Dundee. Ce dernier est impressionné par la détermination et l'ambition de l'adolescent. They want to find out how fighters train, the business about diet and everything else. And he was very, very curious at that time. Avant chaque combat, Cassius Clay fait du porte-à-porte dans Louisville pour se présenter aux habitants noirs et blancs. Sa stratégie consistait à vendre des billets. Je vais vendre des billets partout où je peux. Et il se débrouillait très bien. Cassius manque souvent l'école pour participer à des compétitions amateurs. Lorsqu'il va en cours, il dessine des gants de boxe et des blousons avec l'inscription « Champion des Golden Gloves ». Il propose aussi de signer des autographes à ses camarades de classe. Bet my classmates that I would beat them to school, they would ride the bus. Il remontait la Chestnut Street en courant à côté du bus, histoire de se mettre en condition. Puis il courait jusqu'à Broadway et faisait ensuite le chemin inverse. Il s'arrêtait parfois pour voir s'il y avait des filles, avant de reprendre sa course. C'était vraiment amusant. Il faisait un signe de la main. Je me disais, qu'est-ce qu'il fabrique? C'est un drôle de gars, pourquoi il court comme ça? En février 1958, un mois après son 16e anniversaire, Cassius Clay se rend à Chicago avec Joe Martin et un groupe de boxeurs prometteurs pour participer au tournoi national des Golden Gloves. C'est sa première compétition d'envergure. Il est vaincu en quart de finale. Un an plus tard, devenu plus grand et plus costaud, il revient et se qualifie en finale où il bat l'Australien Tony Madigan, 29 ans, qui compte 2 participations aux Jeux Olympiques et qui est donné gagnant.
La décision est unanime. Tony Madigan déclare « Je ne pouvais pas me coller à lui. Il se mettait toujours hors de portée, comme s'il se volatilisait. » Cassius Clay est champion mi-lourd des Golden Gloves. Une victoire aux épreuves de sélection olympique à San Francisco lui permettrait de concourir à Rome en 1960. Mais il y a un problème. Il a tellement peur de l'avion qu'il envisage de passer directement professionnel plutôt que d'essayer de se qualifier pour les JO. Il avait une peur bleue de l'avion. Pour se rendre aux épreuves de sélection olympique, il a acheté un parachute dans un magasin de surplus militaire. Au Cow Palace de San Francisco, Cassius Clay bat haut la main ses deux premiers adversaires et accède à la finale où il affronte Alan Hudson, un champion de l'armée américaine. In the 178-pound class, another Louisville boy, Cassius Clay, in the dark trunks, is pitted against the All-Army champion, Alan Hudson. Au troisième round, Alan Hudson envoie son adversaire au tapis. Cassius is up almost immediately, and after a check by the ref, he's back in action. Clay's chance to go to work. He wades into Hudson and sends him reeling into the corner. Hudson is really groggy and just about out on his feet. L'arbitre accorde un chaos technique à Cassius Clay, qui gagne ainsi sa place dans l'équipe olympique américaine. Pour rentrer chez lui, il met en gage une montre, un des prix qu'il a remporté dans le tournoi, et se paye un billet de train, évitant ainsi de prendre l'avion. Les épreuves de fin de cycle à la high school ont lieu dans quelques semaines. Il accumulait tellement d'absences et obtenu de si mauvaises notes que beaucoup de ses professeurs estiment qu'il ne mérite pas d'obtenir son diplôme. Le proviseur n'est pas d'accord. La seule chose que Cassius Clay aura besoin de lire, c'est sa feuille d'impôt, et pour cela, je vais l'aider. Pour se rendre aux Jeux Olympiques de Rome, Cassius Clay fait une escale à New York où il espère rencontrer son idole Sugar Ray Robinson, ancien champion des poids mi-lourds. Il est considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps dans sa catégorie. Il est connu autant pour son style vestimentaire tape à l'œil que pour ses exploits sur le ring. En attendant devant le restaurant de son héros à Harlem, Clay remarque un petit groupe de personnes rassemblées autour d'un orateur bien habillé qui appelle les Afro-Américains à ne faire leurs courses que dans les commerces tenus par des Noirs. Cet homme fait partie de l'organisation Nation of Islam. Clay s'interroge. Comment ose-t-il dire ça? Est-ce que ça ne va pas lui attirer des ennuis? Sugar Ray Robinson arrive enfin dans une Lincoln Continental mauve. Mais il n'a pas beaucoup de temps à consacrer à son jeune admirateur. Il lui signe à la hâte une photo et lui souhaite bonne chance. Sur le moment, Clay est fasciné. Ce Sugar Ray, c'est quelqu'un. Un jour, j'aurai deux Cadillac et une Ford juste pour me balader. Mais plus tard, il se rappellera s'être senti snobé. Si jamais je deviens célèbre et que des gens attendent toute la journée pour obtenir un autographe, je les traiterai autrement, c'est sûr. Puis, la peur au ventre, il monte dans son avion pour Rome. Les Jeux olympiques de 1960 ont été formidables et passionnants à plus d'un titre. L'équipe américaine était dirigée par Rafer Johnson. C'était une époque bénie pour les athlètes. Pour Cassius, qui n'avait jamais vraiment voyagé avant, c'était une révélation. Il a découvert le monde et des gens qui parlaient d'autres langues. Il est devenu instantanément le maire du village olympique. Il n'était pas encore célèbre, mais il avait un tel magnétisme que les journalistes et les autres athlètes se sont tout de suite dit « Mais qui est-ce? Il faut qu'on lui parle. » Partout où il allait, des groupes se formaient autour de lui. Clay est aux anges. Il rencontre Bing Crosby, flirte avec la sprinteuse Wilma Rudolph et pose avec le champion poids lourd Floyd Patterson, à qui il lance « Rendez-vous dans deux ans ». Un journaliste écrit « Ce gamin est irrésistible, il s'est même lié d'amitié avec les Russes ». The Olympic athlete with the noblest Roman name of them all is Cassius Marcellus Clay. Actually, Cassius is no Roman at all, however. He's actually an 18-year-old light heavyweight who makes his home on Grand Street in Louisville, Kentucky, and he may very well become an Olympic champion.
Cassius Clay, he's America's light heavyweight. No one outside the States has ever heard of him. Clay beats a Belgian, a Russian, and an Australian. And now, he's in the final. Son rival pour la médaille d'or est le Polonais Zbigniew Piechakowski, qui a remporté la médaille de bronze 4 ans plus tôt. The Pole is 25. He's been unbeaten champion of Europe for 5 years. Les deux premiers rounds, les hommes se jaugent. Clay a rather deceptive, casual way of throwing punches, and he punches very hard. Au troisième et dernier round, Cassius Clay prend le dessus. Oh, good shot by Clay then. Looks like Piechakowski is bleeding from the mouth a bit. Piechakowski now definitely bleeding at the nose and mouth, rather heavily. There's the end of the fight. Cassius Clay vient de remporter le prix le plus prestigieux de la boxe amateur. Il retourne à New York où un millionnaire de Louisville lui offre une suite à l'hôtel Waldorf Towers et lui remet une liasse de billets qu'il dépense en dîner et en montres de luxe pour son frère et ses parents. Avec sa médaille d'or et sa veste olympique, le jeune champion visite Times Square. Il achète le journal où en première page est imprimé « Cassius signe pour affronter Patterson ». Ensuite, il déguste sa première part de cheesecake et au Birdland, un célèbre club de jazz, il commande un coca avec une goutte de whisky. Où qu'il aille, des admirateurs le félicitent de son succès à Rome. À l'aéroport de Louisville, des centaines de fans l'attendent pour l'accueillir. Cassius, you've heard it a good many times today already here at the airport, but congratulations. Let's take a look at that real gold medal there. À tout juste 18 ans, Cassius Marcellus Clay Jr. a disputé plus de 100 combats amateurs et il est prêt à devenir professionnel. Dempsey hurt him along the rope, beating away with both hands. What? There's that big left, and Willard's down. La boxe professionnelle compte depuis longtemps parmi les sports les plus populaires aux États-Unis. La boxe a quelque chose de primaire qui fascine. Il s'agit de combats d'homme à homme. C'est un sport brutal et sanglant qui existera toujours et qui ne cessera d'intéresser les gens. Tout le monde connaissait le champion du monde des poids lourds. Il était aussi célèbre que le président des États-Unis. On connaissait sa personnalité et on savait ce qu'il représentait dans le monde. John L. Sullivan, Jim Jeffries, Jack Johnson, Jack Dempsey, mais aussi Joe Louis, qui, au cœur de la Grande Dépression, a rendu leur fierté aux Afro-Américains en décrochant le titre de champion poids lourd et en le gardant pendant presque 12 ans. Et dans les années 1950, la boxe est aux mains des gangsters qui ternissent son image. C'était un sport anarchique à bien des égards. Il existait bien des organisations officielles pour la délivrance des licences, mais elles n'avaient pas de réel pouvoir. La boxe était souvent contrôlée par les mafieux qui truquaient les combats et soutiraient d'énormes sommes d'argent aux athlètes avant de les laisser ruinés et physiquement détruits. Les boxeurs n'avaient pratiquement pas d'autre choix que de tremper dans ce milieu. Pour réussir dans cette discipline, ils devaient s'associer avec des malfrats. Les professionnels sentent que Cassius Clay peut rapporter gros dans la catégorie poids lourd. Cus D'Amato, l'habile entraîneur de Floyd Patterson, propose de s'occuper de lui. L'ancien champion poids lourd Rocky Marciano en fait autant et le vétéran de la boxe Archie Moore lui envoie un télégramme « Si tu souhaites t'entourer d'un excellent manager, appelle-moi ce soir ». William Faversham, vice-président d'une distillerie de Louisville, forme un groupe de 11 hommes d'affaires blancs, solidement enracinés dans le Kentucky. «
Bill Favisham. I'm W.L. Lyons Brown. J.D. Stetson Coleman. Il décide de réunir des fonds pour lancer la carrière de Cassius Clay et le protéger de la pègre. Cassius Clay s'est vu offrir le plus gros contrat de l'histoire de la boxe. C'était complètement inhabituel, du jamais vu. D'ailleurs, l'avocat qui a rédigé le contrat a dû chercher des informations à l'extérieur du milieu du sport. Il est allé à Hollywood, où il a consulté des contrats d'enfants acteurs pour voir comment il pourrait se protéger au mieux. We offered him a $10,000 bonus for signing a contract. This contract ran for 2 years, where we paid him a salary, because after all, we didn't know what he could earn. Les boxeurs ne touchaient pas de salaire, un salaire mensuel pour combattre. We wanted to guarantee him some form of security. At the same time, he also got 50% of his purses. Nous allons couvrir toutes ses dépenses, payer ses repas, son loyer, son entraînement et tâcher d'obtenir des réductions d'impôts. C'était sans précédent. Les sponsors espèrent un retour sur investissement, mais comme l'un d'eux le fait remarquer, ils sont là aussi pour rendre service à un bon garçon de Louisville qui n'a pas démérité et le sauver des mâchoires des chacals de la pègre. Avec sa prime, Clay réalise un rêve d'enfant. Il achète une Cadillac, même s'il n'a pas pris la peine de passer le permis de conduire. Le 29 octobre 1960, il dispute son premier combat professionnel au Freedom Hall de Louisville. Dans les montagnes de Virginie occidentale, ils ont déniché un certain Tony Hunsaker, un type réglo qui était shérif. Il portait un chapeau de la Première Guerre mondiale, comme le faisaient les policiers dans certains États. Il a accepté d'affronter Cassius. Un boxeur inexpérimenté contre un mauvais boxeur. Clay assène ses coups sur Tony Hunsaker pendant les 10 rounds et gagne par décision unanime. Mais dans la salle, beaucoup estiment qu'il aurait dû mettre KO son adversaire particulièrement lent. Ses sponsors savent qu'il lui faut un entraîneur de haut niveau s'il veut prétendre au titre de champion poids lourd. Ils engagent Archie Moore, qui forme de jeunes boxeurs dans les montagnes à l'est de San Diego. Cet entraîneur expérimenté prône la discipline et la patience. Il demande aussi à ses poulains de faire la cuisine, de couper du bois et de participer à l'entretien du camp, baptisé Salt Mine, mine de sel. Cassius Clay a dit « Je suis ici pour apprendre à boxer, pas pour faire le ménage. Vous êtes bien payé pour ça. » Archie Moore a répondu « Tu es bien arrogant. Tu dois apprendre l'humilité. Sans ça, tu n'arriveras à rien. » Clay s'insurge contre les volontés d'Archie Moore et craint qu'il ne veuille changer son style. Au bout de quelques semaines, il est renvoyé chez lui. William Favisham, du groupe des sponsors de Louisville, appelle Angelo Dundee, l'entraîneur de Miami que Clay a rencontré en 1957 à Louisville. Dundee est connu pour garder son calme durant les combats et retaper les boxeurs en sang. C'est un homme apprécié de tous qui, à 39 ans, a déjà entraîné 6 champions du monde. On l'a prévenu, Clay a un énorme potentiel, mais il est trop sûr de lui et ça n'est pas un élève facile. Angelo Dundee se souvient de l'adolescent enthousiaste et accepte de s'occuper de lui. Il demande à Favisham de le faire venir après Noël. Ce dernier lui répond « Cassius veut combattre avant Noël ». Le 19 décembre 1960, après un voyage de 2 jours en train, le jeune athlète arrive à la gare de Miami où son nouvel entraîneur l'attend. Dundee le conduit à Overtown, un quartier afro-américain où les touristes noirs qui ne sont pas admis dans les hôtels réservés aux blancs peuvent louer une chambre. À l'hôtel Mary Elizabeth, un repère de proxénètes et de dealers, Clay partage avec un poids lourd jamaïcain une chambre miteuse et non climatisée qui dispose d'un seul lit double. Le lendemain matin, il se rend à la salle d'entraînement d'Angelo Dundee dans la 5e rue de Miami Beach. La salle d'entraînement de la 5e rue était une vieille salle de boxe publique que Clay a fréquentée quand il avait 18 ans. Dans le vieil escalier branlant, il fallait enjamber les ivrognes imbibés de rhum qui étaient étendus sur les marches. La salle accueille des boxeurs noirs, blancs et cubains
qui s'échinent tous sous l'œil d'un groupe d'habitués, surnommé le Collège Pugilistique des Cardinaux, installé au bord du ring pour évaluer les élèves d'Angelo Dundee. Aucun d'eux n'est impressionné par Cassius Clay. Ils estiment qu'il garde les mains trop bas, qu'il est déséquilibré quand il frappe et que c'est un chasseur de tête. Les Cubains le surnomment « El Niño con Boca Grande », le garçon à la grande gueule. Angelo Dundee lui trouve aussi des défauts, mais il le trouve doté d'une main exceptionnelle, d'un pied agile et particulièrement endurant. Il est sûr de pouvoir adoucir les aspects rugueux de sa personnalité. You can't directly tell him, do this. This is a cardinal sin. Say this workout today. I'll go over and tell him, gee, that wasn't too bad for the first day. Your jab wasn't as sharp as I like it, but a real good jab. Well, thusly, the next day, he'll be using his jab more effectively. But if I tell him your jab is terrible, then I'd be hitting the wrong kind of a note. You got to work on him psychologically. D'autres entraîneurs auraient peut-être insisté pour qu'il combatte à leur manière, mais Angelo a eu l'intelligence et le génie de le laisser faire et de le guider plutôt que de le former. Tous les jours, Clay se lève à l'aube, chausse une paire de rangers et fait son jogging. Il court dans les rues d'Overtown, parfois à reculons, en boxant dans le vide. Il parcourt ensuite plus de 7 km du nord de Miami à la 5e rue, où en montant les deux étages, il crie parfois « Angelo, mets tes fainéants en rang, je vais tous les mettre KO ». Dans la salle, il cogne contre la poire de vitesse et le sac de frappe, fait ses exercices de gymnastique devant un grand miroir et s'entraîne avec d'autres jeunes boxeurs pour développer son endurance. De son côté, Angelo Dundee l'encourage à améliorer son atout majeur, le coup de poing direct du bras avant, le jab. Le jeune Cassius s'inspirait de Sugar Ray Robinson, un excellent danseur sur le ring. Cassius a développé encore plus cette notion de danse. En principe, un boxeur apprend à rester à portée de l'adversaire et à parer les coups. Mais ce qu'il faisait, c'était un sacrilège dans le milieu de la boxe. Normalement, on ne se penche pas en arrière, mais lui, il le faisait. Cassius Clay has his own style. There's no other fighter like him. See, that almost did it. See, it's an eat out. Oh, look at it. Take him out. This is good. A style that can win the heavyweight championship for the world. Au cours de ses deux premiers mois à Miami, Clay combat quatre fois. Le 27 décembre 1960, lors de son deuxième match professionnel, il défait Herb Seiler par KO technique en quatre rounds. En janvier 1961, Clay fête ses 19 ans en terrassant Tony Esperti à la troisième reprise. Trois semaines plus tard, il met KO Jim Robinson en un seul round. En février, il dispute un match d'entraînement face à l'ancien champion poids lourd Ingemar Johansson, venu à Miami pour faire la promotion de son combat de championnat contre Floyd Patterson. Cassius sautille autour de son adversaire tout en lui envoyant des directs du bras avant. Le Suédois ne parvient pas à décocher un seul coup et son manager met fin au combat après deux rounds. Cassius Clay le nargue. C'est moi qui devrais affronter Patterson, pas toi. Le 19 avril, devant plus de 5000 fans rassemblés au Freedom Hall de Louisville, Cassius Clay se relève d'un coup violent à la mâchoire, casse le nez de Lamar Clark et le met KO au deuxième round, exactement comme il l'avait prédit avant la rencontre. Le manager de Clark est admiratif. Il a les mains les plus rapides de tous les poids lourds que j'ai pu voir. Selon lui, il n'est plus qu'à quelques combats d'un championnat. En juin, Clay s'envole à contre-cœur pour Las Vegas en vue de son prochain match. Il confie à un journaliste « Je n'ai pas peur de monter sur le ring, j'ai peur de monter dans l'avion ». Il doit affronter Duke Sebdong, un imposant haïtien connu pour sa tactique déloyale. Cassius Clay gagne par décision unanime. Avant le combat, il a participé à une émission de radio locale avec George Wagner, un célèbre catcheur professionnel qui se fait appeler Gorgeous George, George le Magnifique. Il est arrivé avec une cape ornée de bijoux et de la brillantine dans les cheveux.
Certains l'ont hué et d'autres l'ont acclamé. Quand Cassius Clay a vu ça, il s'est dit incroyable. Il sait se faire remarquer. I saw him talking once about how pretty I am. I cannot be beat. He said, look at my beautiful silver hair. No man in the world can beat me. I'm the greatest wrestler that ever lived. When I go into that ring, I'm going to annihilate the bum. I'm beautiful. And that night when Gorgeous George went to the wrestling ring, all the ladies were booing and the people were so mad and the place was full. Everybody paid a high price to come in. And at that moment, I said, this is a good idea. Clay, Cassius était comme une éponge. Son génie était de savoir tirer profit de tout ce qu'il absorbait. De retour à Miami, il est interviewé à la télévision et à la radio locale. À tous les journalistes qui le lui demandent, il déclare « Je suis le meilleur ami des journalistes ». Il commence à attirer l'attention de tout le pays. Il a alors 19 ans et apprend que Flip Schulke, photographe de Life Magazine, veut le prendre en photo pendant son entraînement. Clay lui propose de passer le voir. Flip Schulke le photographie d'abord dans des situations classiques, notamment en train de courir sur la plage. Puis Clay lui demande « Tu veux voir quand je m'entraîne sous l'eau ?» Après la séance, Flip Schulke se rend compte qu'en réalité, le boxeur n'a jamais fait ça avant. Personne ne s'entraîne sous l'eau. Mais Clay avait bien saisi que s'il apparaissait dans Life Magazine, il gagnerait en visibilité. Il a donc eu cette idée spontanément. Flip Schulke était bluffé. Il se disait que c'était un signe de pur génie. Et c'était le cas. Avant chaque combat, Cassius Clay applique 3 couches de cirage sur ses chaussures blanches et il s'enduit les bras et le torse d'une fine couche de vaseline pour faire ressortir ses muscles. Pour monter sur le ring, il porte un short et un peignoir en satin blanc. Il espère que les femmes le trouvent beau. Parce que, comme il l'explique, si les femmes viennent, les hommes suivront, n'est-ce pas? Mais son effronterie n'est pas du goût de tous. Let me see you close your mouth and just keep it closed. Well, you know that's impossible. No, keep it closed. You know that's impossible. I'm the greatest. And I'm knocking out all bones. And if you get too smart, I'll knock you out. En octobre 1961, Cassius prédit à quel round il battra son prochain adversaire, l'Argentin Alex Mitev. Il tombera au 6e round. The play is really open fast. La particularité de Cassius, c'était sa maîtrise de la discipline à un si jeune âge. Il pouvait se tenir à 10-15 cm de son adversaire et lui asséner une série de coups précis et efficaces tout en virevoltant autour de lui. Personne n'était aussi fluide et aussi agile que lui. Quel était son secret? Aucune idée. Ses mains et ses pieds étaient d'une rapidité incroyable. Si on envoie un coup trop loin, comme le font la plupart des boxeurs débutants, on ne peut pas toucher son adversaire. Ou au contraire, si on est trop près, on ne peut pas prendre l'avantage et on devient une cible facile. Il faut un certain savoir-faire pour se placer à la bonne distance, presque au centimètre près, et décocher le coup le plus efficace possible. Cassius, lui, en était capable. Il le faisait naturellement. Clay arrête Mitev au 6e round, comme il l'avait annoncé. And the winner, by TKO, Cassius Clay. Where do you rate yourself today in the heavyweight ranks? Well, Jim, most people say I'm crazy or punch drunk for saying these things, but I would rate myself about number 2 now.
Il affirme que ça l'embarrasse de monter sur le ring avec Willy Besmanov, un boxeur allemand non classé qu'il promet de mettre à terre en 7 rounds. Lorsque son adversaire commence à chanceler à la 5e reprise, Cassius Clay ralentit son attaque et joue avec lui pendant 2 rounds avant de réaliser une nouvelle fois sa prédiction. Il était doué pour les joutes verbales. Non seulement je vais te battre physiquement, mais je vais te dire comment je m'y prendrai. Et si t'es meilleur que moi, tu me cloueras le bec. Tu me feras taire. Sinon, tu devras m'écouter parler. Et je ne ferai que décupler l'humiliation. C'est une arme supplémentaire. Et si on ne peut pas remporter la guerre psychologique, il y a peu de chances qu'on gagne la guerre physique. Clay en est désormais à 10 victoires contre 0 défaite en tant que professionnel. Son avenir est radieux et sa confiance en lui décuplée. Il affirme « J'ai la taille, l'allonge et le poids idéaux. Pour me battre, il faut être plus grand que grand. » Fin 1961, Cassius Clay vit entre Louisville et Miami où il continue de boxer avec une ardeur infatigable. Il a 19 ans et il est autonome. Il devient un visage familier à Overtown. Il est un habitué du restaurant Famous Chef et compose des rimes pour les clients du salon de coiffure de Sonny Armbrister. Quand des voyous du quartier l'invitent au Sir John ou au Harlem Square, où Count Basie, Ella Fitzgerald et B.B. King se produisent, il se joint à eux. Mais il ne boit que du jus d'orange et ne reste jamais bien longtemps. Lorsqu'il sort d'Overtown pour s'aventurer dans les quartiers blancs de Miami, où les Afro-Américains sont régulièrement harcelés par la police, il garde toujours son calme. Dans un grand magasin, un photographe blanc le voit se faire houspiller par un employé après avoir touché une chemise. Le photographe est indigné, mais Cassius Clay se contente de dire « Je ne veux pas mettre la pagaille, ce n'est pas grave ». Now, it is true that men have always cried out for freedom, but in the past, these cries for freedom were, in many instances, solo voices crying for freedom. But the difference today is that this solo voice has been transformed into a mighty chorus singing with amazing harmony. We want to be free. Les associations de défense des droits civiques dénoncent la ségrégation en organisant des actions non violentes dans les bus et les restaurants à travers le sud des États-Unis. Interrogé sur l'injustice raciale, Cassius répond qu'il souhaite protéger le groupe d'hommes d'affaires blancs de Louisville qui gère sa carrière. Il déclare à un journaliste « Je ne fais partie d'aucune organisation parce que ça pourrait gêner mes sponsors ». Il sait que s'il s'exprime sur la question raciale, il compromet ses chances de participer un jour à un championnat. Malgré tout, le souvenir d'Emmett Till le hante et la colère permanente de son père contre l'oppression remue sa conscience. Why are we called Negroes? Why are we deaf, dumb and blind? Quelques années plus tôt, Cassius Clay a acheté un disque intitulé « A White Man's Heaven is a Black Man's Hell », le paradis des Blancs et l'enfer des Noirs. Il écoute en boucle cette chanson écrite et interprétée par Louis X, prédicateur de l'organisation Nation of Islam. Un jour, à Miami, il aperçoit un noir en costume qui vend des exemplaires du journal Muhammad Speaks. Je vendais le journal dans la rue. Il m'a vu et m'a demandé « Hé, frère, pourquoi nous traite-t-on de nègres? Pourquoi sommes-nous sourds, muets et aveugles? Alors que tout le monde avance, nous restons à la traîne. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu connais les enseignements ?» Il a répondu « Oui, je suis Cassius Clay. Je serai le prochain champion du monde poids lourd. » Ce vendeur de journaux, c'est Abdul Rahman, aussi connu sous le nom de Captain Sam. Il a abandonné sa vie de voyou à Atlanta en découvrant les enseignements du leader de la Nation of Islam, Elijah Muhammad. Les so-called American Negroes have to be completely re-educated. But he now
can go out in the world and feel that he is the equal of other civilized beings and does not feel ashamed to be called a black man. Captain Sam incite le jeune boxeur à assister aux réunions organisées dans un commerce vacant transformé en mosquée, le temple numéro 29. Cassius Clay confiera plus tard « La première fois que j'ai vraiment ressenti la spiritualité dans ma vie, c'est lorsque je suis entré dans ce temple musulman de Miami. Un certain frère John parlait et je me sentais proche de ce qu'il disait. Le ministre du culte affirme que Dieu est noir. » Et qu'il n'y a aucune réconciliation possible avec les Blancs qui ont délibérément volé leur identité aux Noirs. Ce n'est qu'en embrassant Allah que les Noirs surmonteront la cruauté des Blancs. Elijah Muhammad présentait l'islam comme l'alternative au christianisme, comme la religion des Noirs. C'était un argument qui se révélait assez efficace. Il a basculé dans une autre réalité. Un système où les valeurs sont inversées, où le noir est sacré et précieux. C'est époustouflant. Ce genre de pensée a un énorme pouvoir de transformation. Il visait en particulier les Afro-Américains les plus pauvres et les moins éduqués. Elijah Muhammad, de son nom de naissance Elijah Poole, est né en 1897 dans une petite ville de Géorgie. Il est le fils d'un prédicateur baptiste. À 14 ans, un groupe de blancs lynche son ami Albert Hamilton, accusé d'avoir agressé une femme blanche. La meute en colère le traîne hors de prison, le pend à un arbre et tire plus de 300 coups de feu sur lui. Elijah Poole décide de venger son peuple. En 1923, il s'installe à Détroit, où il tombe sous l'emprise d'un messie autoproclamé Wallace Fard. Cet orateur charismatique élabore une théologie selon laquelle les Noirs étaient les premiers habitants sur Terre et ont régné durant des milliards d'années sous la bannière de l'islam, jusqu'à ce que leur autorité soit sapée par une race de diables blancs qui connaîtront un jour une fin brutale sous la main d'Allah. Wallace Fard prône le séparatisme noir, l'autodétermination et un mode de vie pur au sein de son organisation appelée la Nation of Islam, la Nation de l'Islam. Il donne parfois un nouveau nom à ses adeptes pour les débarrasser de leur nom d'esclave. Elijah Poole, le dernier de ses convertis, devient Elijah Muhammad. Ce genre de groupe s'inscrivait dans une longue lignée. Il y avait le Moorish Science Temple dirigé par Noble Drew Ali, la Black Hebrew Organization dirigée par un certain Black Zarab, la United Negro Improvement Association de Marcus Garvey ou encore la Nation of Islam. Ils estimaient que le christianisme était la religion des Blancs. Or, la foi chrétienne était profondément enracinée chez les Afro-Américains. Et tous ceux qui se déclaraient ennemis de cette tradition étaient considérés comme démoniaques. Autrement dit, ils faisaient peur. Après la mystérieuse disparition de Wallace Fard en 1934, Elijah Muhammad reprend les rênes du mouvement. Il se définit comme le messager d'Allah et s'installe à Chicago. Il préfère aller en prison plutôt que de s'enrôler dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il continue à prêcher la séparation des races et parle de l'avion-mère, un vaisseau spatial en forme de roue qui plane au-dessus de la Terre dans l'attente d'anéantir les diables blancs le jour du jugement dernier. Même s'il emprunte abondamment aux doctrines musulmanes, son appel au séparatisme et sa prétention au statut de prophète le distinguent nettement de l'islam traditionnel, une religion fondée au 8e siècle et qui compte plus de 400 millions de fidèles dans le monde vers 1950. La Nation of Islam était un hybride américain qui se référait à certains principes de l'islam et en inventait ou en improvisait d'autres. Ils ont essayé d'américaniser la religion au point qu'elle a perdu son authenticité. Elijah n'était pas le prophète Mahomet. Elijah Muhammad prônait l'autonomie. Les Noirs devaient se débrouiller seuls, construire pour eux-mêmes, ils devaient créer leurs entreprises et contrôler leur communauté. Arrêtons de quémander des emplois aux Blancs.
créons-en nous-mêmes. Il fallait devenir indépendant. Au lieu de toucher des aides ou de chercher du travail, nous devions créer nos propres emplois et garder l'argent dans notre quartier pour l'enrichir. Elijah Muhammad achète une ferme dans le Michigan et à Chicago, il ouvre un magasin de vêtements, une boulangerie et un restaurant, principalement à destination d'une clientèle noire. We hate ourselves. That's right. Because of the teaching and the training of our slave masters. Il fallait s'éloigner des Blancs. On ne voulait plus s'intégrer, on voulait prendre nos distances. Your slave master and all of his children are none other than the devil. Il était considéré en général par les membres du mouvement comme le messager d'Allah ou de Dieu. Il le vénérait profondément et se pliait à ses préceptes. Il s'agissait d'affirmer l'humanité et la dignité noire, individuellement et collectivement. On avait espoir dans ce programme concret. I said, get out of that slavery teaching. That's the white man's teaching to keep you blind, deaf and dumb to the knowledge of Islam. La Nation of Islam était présente dans les prisons américaines. Quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, qui n'avait pas réussi à l'école ou qui était marginalisé, se retrouvait derrière les barreaux et rejoignait l'organisation. Quand il sortait de prison, il fallait un dictionnaire pour avoir une conversation avec lui. La maîtrise de l'anglais standard n'était plus considérée comme un signe de soumission à l'Amérique. Au contraire, elle renvoyait à l'idée même de la dignité noire. Cet homme a sauvé des milliers de personnes de la misère. Grâce à ses enseignements, beaucoup de toxicomanes ont décroché. On ne peut qu'admirer un homme capable d'accomplir de telles actions. La Nation of Islam attire d'abord des Afro-Américains pauvres. Mais à la fin des années 1950, le message d'émancipation que délivre Elijah Muhammad commence à toucher une partie de la classe moyenne noire, frustrée par la lenteur du changement. La Nation of Islam était un groupe dont très peu d'Américains blancs avaient entendu parler. Mais en 1959, Mike Wallace a réalisé un documentaire, The Hate That Hate Produced. These homegrown Negro American Muslims are the most powerful of the black supremacist groups. They have their own parochial schools where Muslim children are taught to hate the white man. Ce documentaire visait à provoquer et à terrifier l'Américain blanc moyen. The white man has been put on trial for his sins against the black man. He has been found guilty. The sentence is death. Guilty as charged. Oh my God. Mon Dieu, vous voyez ce que ces Noirs en colère ont l'intention de faire? Beaucoup de Blancs ont été pris de panique en découvrant ce documentaire. Et je pense que c'était le but recherché. À Miami, Cassius Clay continue d'assister aux réunions organisées au temple numéro 29. Il était séduit par ce message de fierté, par l'idée de ne plus dépendre du bon vouloir des Blancs et de leurs politiciens. Cela allait de pair avec un engagement religieux et un discours qui appelait à abandonner son nom d'esclave pour un nouveau nom. Il s'est laissé convaincre par cette rhétorique. Mais l'idée de séparatisme était très ironique, parce qu'il était entouré de Blancs. C'est un peu comme si on se retire du monde extérieur. Même si on interagit avec lui, on se tient à l'écart. C'est séduisant, mais dangereux. Si l'idée plaît autant, c'est parce que les sectes véhiculent une vision utopique, à savoir que nous faisons partie d'une communauté et que nous marchons tous vers un même but, la libération des Noirs. Et on a un Dieu, c'est Allah. Et on voit que les femmes noires se font respecter et que les hommes noirs sont admirés. C'est comme un rêve. Les sectes, c'est ça. Elles vendent du rêve aux gens. I predicted to win the championship at the age of 21. I'm out to break Floyd Patterson's record. And by this being my 20th birthday today, January the 17th, that leaves me exactly 1 year to reach my goal.
Début février 1962, Angelo Dundee reçoit un appel d'un promoteur du Madison Square Garden qui lui propose une rencontre entre son poulain et Sonny Banks, un boxeur de seconde zone originaire de Détroit. Ce sera le premier combat de Cassius Clay dans la plus célèbre des salles de boxe. Il se vante auprès des journalistes sportifs que Sonny Banks tombera au quatrième round. Cassius Clay est mis à terre dès le premier round. Angelo Dundee craint que sa carrière ne se termine avant même d'avoir véritablement commencé. Il dira plus tard, Cassius est tombé les yeux fermés, mais quand ses fesses ont touché le sol, ils se sont ouverts et se sont illuminés. Un boxeur se retrouve forcément au sol à un moment ou un autre. Mais s'il panique, il est fichu. Parce que l'adversaire se dit, si je l'envoie au tapis, ça signifie que je peux le battre. Cassius, lui, ne paniquait jamais et il savait comment réagir. Il était capable de garder son calme et de se maîtriser. Au deuxième round, Cassius surprend son rival en lui assénant coup sur coup. Fidèle à son habitude, il a envoyé des directs avant. Au quatrième round, l'arbitre déclare Cassius Clay vainqueur. Comme il l'avait prédit. Angelo Dundee confiera plus tard, « Ce soir-là, en le voyant se relever et gagner contre Banks, je suis tombé amoureux de ce gamin. » Entre les matchs, Cassius Clay continue à fanfaronner. Il lance une boutade, déclame un poème ou donne son pronostic à tous les journalistes qu'il rencontre. Il fait de la surenchère, convaincu qu'il sera bientôt le plus jeune champion poids lourd. My last three fights, I predicted a four-round knockout. I knocked out Sonny Banks in four rounds. I knocked out Don Juan in four rounds. And I just annihilated George Logan in four rounds. Les journalistes sportifs blancs le surnomment la Grande Gueule, Cassius le Pompeux, ou encore la Pipelette de Louisville. L'un d'eux déclare « Rien ne ferait plus plaisir aux gens que de voir Cassius s'étouffer avec un gant. » Il était désobligeant avec ses adversaires. Avant un combat, il les insultait, se moquait d'eux et leur prédisait les pires choses. À ses débuts, il n'avait pas l'habitude de perdre. Ce n'était pas un comportement convenable. Pour les journalistes, il n'a rien à voir avec l'ancien champion adulé des années 1930 et 1940, Joe Louis, à qui ses managers demandaient de ne pas faire la fête quand il gagnait face à un boxeur blanc. Les anciens étaient offusqués par Cassius. Ils le trouvaient insolent et estimaient qu'il heurtait leur sens de l'esthétique sportive. À quoi bon tout ce cirque? Va plutôt boxer. Les journalistes sportifs étaient en majorité des hommes blancs âgés. Il y avait quelques jeunes comme moi dans le métier et nous l'adorions. C'était génial et excitant. J'avais à peu près l'âge de Cassius. They think that I am becoming overconfident. I'm gunning for Floyd Patterson and Sonny Liston. If they get in my way, I will annihilate them also. So there's this sort of mainstream. Il existe une idée communément admise sur la manière dont il faut se comporter en public. Cette conception repose uniquement sur la logique des hommes blancs. Cassius a été l'un des premiers à dire publiquement, je ne suivrai pas ces règles, je dirai et je ferai ce que je veux. C'est une question d'indépendance. Début juin 1962, Abdul Rahman invite Cassius Clay et son frère Rudy à un rassemblement de la Nation of Islam prévu à Détroit à la fin du mois. Si s'afficher en public avec la secte peut réduire les chances qu'a Clay de participer à un championnat, les frères acceptent. Clay était à Louisville. Il avait laissé sa voiture à Miami.
Alors j'ai pris la sienne et je l'ai rejoint à Louisville. Puis nous sommes allés ensemble à Détroit pour écouter l'honorable Elijah Muhammad. Avant le meeting, les trois hommes se rendent dans un snack situé à côté de la mosquée numéro 1, où ils rencontrent un prédicateur new-yorkais venu prononcer un discours inaugural. Il s'appelle Malcolm X. Cassius Clay s'approche de lui, lui tend chaleureusement la main et se présente. Malcolm X n'avait jamais entendu parler de Cassius Clay. Il n'était pas vraiment fan de boxe. La Nation of Islam dissuadait ses membres de participer à des événements sportifs et autres divertissements. Ils estimaient que ça les détournait de l'essentiel. Donc ils ne reconnaissaient pas Cassius Clay. Après un bref échange, Malcolm X retourne préparer son allocution. Mais il est impressionné par le jeune boxeur. Il dira plus tard que Cassius Clay a une qualité contagieuse. Il a une allure soignée et les pieds sur terre. Ils se sont rapidement liés d'amitié, et Malcolm X a été un mentor très important pour Cassius. Il lui expliquait ce que la Nation of Islam et la religion représentaient. Ils sont devenus proches. Malcolm Little est né en 1925. Ses parents sont disciples du leader séparatiste noir Marcus Garvey. Il découvre la Nation of Islam à la fin des années 1940 dans une prison du Massachusetts, où il purge une peine pour cambriolage. Profondément touché par les enseignements d'Elijah Muhammad, il lui écrit presque tous les jours et prend le nom de Malcolm X. Après sa sortie de prison, Elijah Muhammad en fera son principal prédicateur au temple numéro 7 à Harlem. Who are you? You don't know? Don't tell me Negro, that's nothing. What were you before the white man named you a Negro? And where were you? And what did you have? What was yours? What language did you speak then? What was your name? It couldn't have been Smith or Jones or Bunch or Powell. That wasn't your name. They don't have those kind of names where you and I came from. Le charisme de Malcolm X s'accordait bien avec le message puritain d'Elijah Muhammad et il séduisait les gens. J'étais ébloui par cet homme. America is still a country whose governmental system is based upon freedom, justice and equality for white people only. À mes yeux, personne ne pouvait le battre dans les débats intellectuels. Il était très fort. Souvent, quand les gens avaient un certain niveau intellectuel, ils méprisaient la rue et affichaient un air de supériorité. Ce n'était absolument pas le cas de Malcolm X. Il semblait comprendre la rue mieux que quiconque. C'était une qualité rare. Si beaucoup d'Américains se sont habitués aux actions non violentes des défenseurs des droits civiques dans le sud du pays, ils sont choqués et effrayés par les discours de Malcolm X. No man can speak for Negroes who tells Negroes love their enemy. No man can speak for Negroes who tells Negroes turn the other cheek. There is no Negro in his right mind today who is going to turn the other cheek. Alors que son influence augmente, Malcolm X se retrouve dans le collimateur du FBI qui observe ses moindres faits et gestes. Cette surveillance perdurera jusqu'à la fin de sa vie. Stop trying to be in unity with the people that don't want you. They hate you and call you a D-black, so-and-so-and-so. Get out of that people's face. Au meeting de Détroit auquel Cassius et Rudy Clay assistent avec Abdul Rahman, ils sont suspendus aux lèvres d'Elijah Muhammad. Si Cassius déclare qu'il est membre de la Nation of Islam, sa carrière est finie. La boxe est en plein marasme. Alors il ne manquerait plus qu'un sportif de haut niveau annonce son adhésion à cette organisation. Il ne pourrait plus participer à des combats importants. Jamais l'Amérique blanche ne donnerait le titre de champion poids lourd à un musulman noir. Clay doit faire profil bas. En juillet, Cassius Clay prédit qu'il battra l'Argentin Alejandro Laborante au cinquième round et une fois de plus, il voit juste. Le boxeur atteint les 15 victoires contre 0 défaite. Après le match, il aperçoit son ancien entraîneur Archie Moore et lui lance « Tu seras le prochain ». Archie Moore prétend avoir 45 ans, même si beaucoup pensent qu'il est plus proche de la cinquantaine. Mais il a besoin d'argent et accepte rapidement de combattre.
Archie Moore était le grand professeur des boxeurs. Il était extrêmement brillant. Mais il avait la vanité de penser qu'il pourrait déjouer le jeune homme. Qu'en se positionnant et en bougeant bien, il le battrait. Disons qu'il a été dépassé par les prérogatives de la jeunesse. Cassius Clay l'emporte par chaos technique à la quatrième reprise. Fin 1962, il est classé numéro 4 parmi les poids lourds. Il devient intéressant pour ses sponsors de Louisville qui vont récupérer leurs investissements initiaux au cours de l'année suivante. Même si ses détracteurs lui reprochent toujours de parler trop et de ne pas encore avoir affronté un adversaire digne de ce nom, Cassius Clay attire l'attention du monde de la boxe. L'ancien champion poids lourd Jack Dempsey déclare « Peu m'importe si ce gamin ne sait pas se battre, je suis avec lui. Les choses bougent enfin. » Les pauvres font de la boxe parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que ce sport a quelque chose de poétique. Quand on lui demandait pourquoi il prenait le risque de se blesser en montant sur le ring, Cassius répondait « Je peux me blesser en allant au bar ou dans une boîte minable pour écouter Robert Johnson. Au moins, quand je monte sur le ring, je suis payé et mes adversaires portent des gants lorsqu'ils me frappent. » Les gens se battent parce que c'est leur lot quotidien. Les Noirs, mais pas seulement, tous les pauvres, Mexicains, Irlandais ou Juifs, luttent pour survivre. Et s'ils montent sur le ring pour gagner leur vie, c'est parce que c'est un peu plus sûr que de se bagarrer dans les rues des villes américaines. En septembre 1962, Floyd Patterson doit affronter l'outsider Sonny Liston au Comiskey Park de Chicago. Même s'il est le favori, les chances sont contre lui. Floyd Patterson était un boxeur remarquable parce qu'il était champion poids lourd sans être lourd. Il avait une humilité et une droiture qui plaisaient à la classe moyenne blanche, aux journalistes sportifs blancs, à l'Amérique blanche. I had met the president of the United States. He knew of my fight with Liston. And he had said to me, you know, Floyd, you want to try to keep the title because you represent something good. Le manager de Floyd était Cus D'Amato. Et il s'est aperçu très tôt que son poulain avait les mains aussi rapides qu'un cobra et le menton d'un poète. Il ne voulait pas qu'il affronte Sonny Liston. Il n'y tenait absolument pas. Mais Floyd a souhaité participer à ce combat parce qu'il estimait que sa mission était de se débarrasser de toutes les brutes. Cassius, in about a month from now, Sonny Liston is going to be trying to get the championship from Floyd Patterson. How do you see this fight? Trying to get Sonny Liston will get it. I see Sonny Liston knocking Floyd Patterson out within the first five rounds. De mon point de vue, Sonny Liston est un grand héros américain. Il a subi les pires épreuves du monde. Il ne connaissait pas sa date de naissance. Il n'avait aucune relation avec son père et sa mère l'abandonnait tout le temps. C'était un homme doté d'une puissance extraordinaire et d'une formidable capacité de concentration. Tout le monde lui mettait des bâtons dans les roues. Et il gardait malgré tout la tête haute. Grâce à la boxe, il s'est extirpé de la fange. Quand on lui demandait d'où il venait, il répondait « Je viens de là-bas ». «
Fils d'un métayer qui le fouette presque tous les jours, Charles Sonny Liston découvre la boxe en 1950 avec un aumônier à la prison du Missouri où il purge une peine pour vol à main armée. En 4 semaines, plus aucun de ses co-détenus, même les boxeurs aguerris, ne veulent monter sur le ring avec lui. Il obtient une libération conditionnelle en octobre 1952. Un chef de la mafia locale lui trouve un travail dans une usine d'armement et le fait participer à des tournois amateurs. 4 mois plus tard, après être sorti vainqueur des championnats internationaux des Golden Gloves, Sonny Liston devient boxeur professionnel. Puis pendant 5 ans, il travaille comme ouvrier du bâtiment, comme chauffeur et parfois aussi comme homme de main pour les chefs des syndicats. À Saint-Louis, il est persécuté par la police qui l'arrête plus de 100 fois pour l'interroger. Sur le ring, Sonny Liston est pratiquement imbattable. Comme le dit un journaliste, il faut posséder un marteau-pilon à la place du bras gauche pour remporter 17 combats professionnels sur 18. Alors qu'il grimpe dans le classement, Frankie Carbo, un tueur à gages de la mafia devenu un puissant promoteur de la boxe professionnelle, s'intéresse à lui et contacte un petit truand qui pense contrôler Sonny Liston. Frankie Carbo, qui dirigeait la boxe, a dit « Voici 75 000 dollars. Tu n'as jamais vu Liston et tu ne le verras plus jamais. Oublie-le, c'est mon boxeur. » Il était entre les mains de la mafia, qui le traitait plutôt bien. Sonny était illettré, mais en aucun cas, il n'était stupide. Je pense que les gens détestaient Liston parce qu'il était violent, redoutable et dangereux. Ils le détestaient parce qu'il était le produit de la corruption qu'ils avaient eux-mêmes initiée dans le pays. Ils le détestaient parce qu'il était illettré, même s'ils ne lui ont pas appris à lire et à écrire. Il était haï par les Blancs comme par les Noirs. Mais rien ne l'arrêtait. Il traçait sa route. Quand on est un homme ou une femme noire aux États-Unis et qu'on voit quelqu'un comme Sonny Liston, on se dit « voilà ce qu'il nous inflige ». Lorsqu'il affronte Floyd Patterson pour le titre de champion poids lourd en 1962, Sonny Liston a 33 victoires et une défaite à son actif. L'écrivain James Baldwin observe. Patterson était le favori. Les gens pensaient qu'une victoire de Liston serait un désastre. Sonny Liston comprend. Il dit « C'est comme dans un film de cow-boy. Il doit y avoir des gentils et des méchants. » Sonny Liston moves out to face the big chance of his 28 years of a turbulent life. The Liston hook to the head is the first good punch of the fight. A left to grazing right and a solid left to the cheekbone drop the champion. En seulement 2 minutes et 6 secondes, Sonny Liston devient champion du monde poids lourd. Il me paraissait évident que personne ne battrait Sonny Liston et qu'il raccrocherait les gants en champion invaincu. La boxe traversait une mauvaise passe. On disait que tout était truqué. Un autre problème préoccupant était la violence de ce sport. À la télévision, certains combats faisaient sursauter les Américains. Est-ce qu'on veut regarder ça? Il faut interdire ce sport. Le 4 février 1963, Cassius Clay se rend à Albany, dans l'État de New York, pour témoigner devant une commission qui examine un projet de loi visant à interdire la boxe dans cet État en raison de sa violence et de la corruption omniprésente. Don't you think that these predictions that you're making and the fact that the last few fights have happened to end in the exact round that you stay have created a bad image of the general public of boxing? Well, no, it haven't. A few people, well, in other words, they said, take a crook to know a crook. Now, you prove... Cassius apporte un souffle d'air frais. Oui, il crée le scandale. Oui, il est arrogant. Oui, il se vante tout le temps. Mais il est beau, jeune et fascinant.
By the way, Cassius, I think that point was well taken, and I think that my colleagues in the legislature have got a little fun out of it. Go ahead. I have had 11 fights, 11 of them I predicted just what would happen. Now, would you say that all of these people are crooks, all of the promoters are crooks? I asked you the question. Well, that's just up to you to figure. I tell the people that I'm the greatest. So if I say he's going to fall in five and he falls in five, well, that just makes me that much greater. Clay promet également aux législateurs que son prochain combat contre le numéro 3, Doug Jones, se jouera à guichet fermé au Madison Square Garden, un exploit inédit depuis des années dans cette salle. Dans le train entre Albany et New York, un journaliste prévient Cassius Clay qu'une grève des imprimeurs paralyse la plupart des grands quotidiens de la ville depuis des mois et risque de compliquer la promotion du match. L'athlète ne se décourage pas. Il mène campagne sans relâche. Are you still plugging the line that you are the greatest heavyweight alive? I'm the greatest heavyweight on 2 feet today. I'm the only man who calls the exact round in which my opponent will fall months before the fight. Il plaisante avec Johnny Carson dans son émission de télévision. Lit des poèmes au Bitter End, un café de Greenwich Village. Tient audience dans sa chambre du Plymouth Hotel où il affirme que Doug Jones présente peu de danger et ne l'empêchera pas d'obtenir ce que ses sponsors lui ont promis en cas de victoire, la Cadillac Eldorado décapotable rouge tomate et garnie de cuir blanc. Floyd Patterson won the World Heavyweight Championship 1 month before he was 22. I just had a birthday, January the 17th. After I annihilate Doug Jones, Liston will be my meat. Le Madison Square Garden vend ses dernières places 5 jours avant le combat. C'est la première fois que la salle affiche complet à l'avance. It's standing room only at Madison Square Garden in New York City. But once again, the famous landmark has become the mecca of boxing. There is one young man who has made this all possible. He is a 21-year-old heavyweight from Louisville, Kentucky, named Cassius Marcellus Clay. Cassius Clay, watch his speedy left hand. He's got a beauty. Le style fait la différence. Doug Jones savait comment tirer profit du moment où Cassius se penchait en arrière et baissait la garde. Il frappait quand Cassius frappait. Si bien que ce dernier ne pouvait pas ajuster sa position face au coup. Clay was definitely shaken up by a shot. Quand un boxeur comme Cassius reçoit des coups qui accaparent son attention, il se met à frapper avec le pied en retrait et il perd son assurance habituelle. Et lorsqu'il recule, il se prend un direct du droit. Doug Jones frappe sans relâche et résiste aux attaques de Cassius Clay. 15 seconds to go. Fans are probably moving about the protection. La cloche sonne la fin du quatrième round et Doug Jones est toujours debout. Le public se met à huer Cassius Clay parce qu'il n'a pas réalisé sa prédiction. Cassius Clay punched away to no effect. It's round five at the Garden in New York. Quand Cassius Clay contrôle la situation, il danse sur le ring. Mais s'il s'arrête de danser, c'est qu'il est en mauvaise posture. Et c'est là qu'il devient vulnérable. We have 1 minute left in round five. Sur le plan stylistique, Doug Jones a battu Cassius. Avant la 7e reprise, Angelo Dundee prévient Cassius Clay qu'il peut dire adieu à la Cadillac s'il ne se ressaisit pas. Les 3 derniers rounds, il pilonne Jones, mais il ne le mettra pas KO. 5 seconds. La décision revient au juge. Cassius ne renvoyait pas une image de gagnant. Il avait l'air abattu. Doug Jones le dominait. Il le battait au point. Il le surpassait. Il le contrôlait. Mais ça ne signifiait pas qu'il allait l'emporter. C'est comme ça. «
Le public crie au trucage et jette des cigares et des gobelets sur le ring. Certains affirment que les défauts de Cassius Clay, absence d'équilibre, garde trop basse et manque de force de ses coups, n'ont jamais été aussi visibles. L'ancien champion poids lourd Gene Tunney dira de lui qu'il a les capacités, mais qu'il a besoin de mûrir. D'autres sont déçus que le jeune ambitieux n'ait pas été remis à sa place. Cassius Clay is mimicking some of the people who are booing the decision. I love it. Boo, yell, scream, throw peanuts, but whatever you do, pay to get in. Après avoir regardé le match à la télévision, Sonny Liston déclare « Je me ferai coffrer pour meurtre si je l'affronte. » Don't you have any respect for him at all, as a fighter? As a fighter? I think he should be locked up for impersonating a fighter. Cassius Clay est éreinté. Pour se détendre, il va récupérer sa Cadillac décapotable rouge tomate qui l'attend à Louisville. Le combat contre Doug Jones a été difficile, mais il peut s'estimer heureux. Il est à 18 victoires à 0 et se classe toujours numéro 2 derrière l'ex-champion Floyd Patterson. Il capte enfin l'attention des médias. I'm the only sport in the fight game today, the only product. Don't be surprised or nothing I do. I'll soon be in the movies. I'll cut records, I'll sing, I can fight, I can do anything. That's why I say I am the greatest. That's the name of the album, I am the greatest. This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. Dans son interview au Time Magazine, il dit en se vantant, je suis le plus grand, je suis doublement le plus grand, je serai un brillant champion. He talks a great deal and brags indeed of a muscular punch that's incredibly speedy. Pour Alex Poinsett d'Ebony Magazine, la bravade de Cassius Clay est bien plus qu'une fanfaronnade. Cassius Marcellus Clay est un haut fourneau de fierté raciale, une fierté brûlée par les souvenirs d'un million de petites brûlures. For I am the man this poem is about, the next champ of the world, there isn't a doubt. This I predict and I know the score. I'll be champ of the world in 64. Dans son cas, c'était bien différent. Il se comportait ainsi pour s'affirmer et faire sa promotion en tant que boxeur. Et à sa manière, il galvanisait les Noirs. Je suis quelqu'un, je suis le plus grand. And most of all, I'm pretty. Most fighters are ugly. Ce qui plaisait aux gens de ma génération, c'était que Clay était jeune et drôle. C'était très inhabituel pour une personnalité publique noire. D'autant qu'il avait un humour bien particulier. Ce n'était pas un clown à l'image de l'humoriste Stephen Fitchett. Pour les jeunes de mon âge, Clay marquait une rupture avec la génération précédente. Nos parents avaient vécu la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient ce qu'on appelle aux États-Unis la génération grandiose. Leurs héros s'appelaient Jackie Robinson et Jesse Owens. Clay apportait quelque chose de nouveau. Il représentait ma génération. Well, let me finish. Let me talk. This boy's modest. I'm the greatest. He's not a talker. I'm going to fight Sonny Liston right after I annihilate Henry Cooper. And as soon as I annihilate Henry Cooper, I want that big ugly bear right in, right here on Miami Beach. Avant sa revanche sur Sonny Liston et son combat contre Floyd Patterson, Cassius Clay rencontre l'anglais Henry Cooper. Ce boxeur anglais s'appelait Henry Cooper. Par la suite, il est devenu Sir Henry Cooper. Après toutes les blessures qu'il avait subies sur ses pommettes, il méritait bien le titre de Sir. Il avait un crochet du gauche phénoménal que personne n'appréciait, hormis les Britanniques. Well, Henry Cooper's not going for five rounds with me. He's not going five rounds. If he goes over five, I won't return to my country for 90 days. 90 days. And if he beats me, I'll retire. À son arrivée à Londres, Cassius Clay demande au tailleur du duc d'Édimbourg de lui confectionner un smoking en brocart rouge orné d'un dragon et un chapeau melon. Il loue une Rolls-Royce pour sa campagne de promotion. Il traite Henry Cooper de clochard et d'estropié et affirme qu'il n'a pas pris la peine de s'entraîner mais qu'il va malgré tout gagner en 5 rounds, ce qui n'amuse pas les Britanniques. I imagine there are a lot of people sitting around the ringside here in the open air of Wembley tonight who may well think that by coming into the ring with that ridiculous crown on his head, Mr. Clay is doing his best to cheapen the professional fight game. And I must say, I'm inclined to share those views myself. Ladies and gentlemen, the main event.
event presenting from Bellingham the heavyweight champion of Great Britain and the British Empire, Henry Cooper. From Louisville, Kentucky, Cassius Marcellus Clay. Le public exulte lorsque Henry Cooper fait saigner le nez de Clay au premier round. Au deuxième round, Clay touche légèrement l'arcade gauche de son adversaire. À la troisième reprise, la plaie s'ouvre et le boxeur a le visage en sang. Mais au lieu de l'envoyer au tapis, Clay semble prolonger volontairement le combat. Pour stimuler Clay, ses entraîneurs lui font respirer de l'ammoniaque et mettent des glaçons dans son short. Ça marche. La cloche sonne le début du cinquième round. Clay se montre agressif. Comme il l'avait prédit, Clay l'emporte à la cinquième reprise. I'm always booed. Everywhere I go, I'm booed. I like to be booed. That's why I fight hard. You came in the ring with a crown on your head. Is that because I am the king? I understand you have a queen of England, but you don't have a king. Well, what's Sonny Liston, Cassius? Sonny Liston, that big ugly bear, he will fall in eight rounds. Liston will fall in eight to prove that I am great. Jack Nylund, le manager de Sonny Liston, attend Cassius Clay au vestiaire. Il lui dit qu'il le veut à tout prix et lui promet un combat avec Patterson après le match de revanche contre Liston. Sonny, while you're looking forward, I know, to your fight against Patterson, you expect that fight to go much differently than it did last time around? I don't think so. What happens after Patterson? Cassius in line? Yeah, he's right up front. What about Cassius? Well, I would imagine if he would come to me, I'd kill him. And if he run, I'm gonna catch him and kill him. Well, my bad luck. In Las Vegas, an eclipse of the sun is due. But almost no one anticipates an eclipse of Sonny. Liston is 5-1 on. Bad luck is falling. Falling down like rain. Sonny Liston met Floyd Patterson au tapis par trois fois. Le match dure 2 minutes et 10 secondes, soit 4 secondes de plus que leur premier combat. Cassius Clay, venu assister à l'événement, ne manque pas l'occasion de narguer le champion. Sonny Liston était un joueur invétéré. Cassius Clay l'a suivi au casino. Cassius lui lance « Regardez cet affreux gros ours, il ne sait même pas jouer au dé ». Furieux, Sonny Liston menace de lui arracher la langue. À ce moment-là, Liston le haïssait profondément et Cassius savait comment le titiller. Martin Luther King teaches Negroes to love all white people, no matter what they do to you. And the same whites whom he teaches Negroes to love stick dogs on him, stick dogs on their children, dogs on their women, and dogs on their babies. So I think it's very hypocritical on the part of whites to accuse Mr. Muhammad of a hate teacher because he says separation and then stick dogs on Martin Luther King, who is teaching integration. It means that no matter what the Negro does, he is not going to get along with whites. So I think that Mr. Muhammad's whole philosophy is more intelligent than Mr. King's. Après son combat avec Henry Cooper à Londres, Clay se rend à New York dès qu'il le peut. Il fréquente le temple numéro 7 et passe du temps avec Malcolm X. Les journalistes sportifs le bombardent de questions pour savoir s'il a officiellement rejoint la Nation of Islam.
Cet été-là, à Chicago, un reporter suit la Cadillac du boxeur dans une ruelle derrière une école islamique des quartiers sud. Il crie « Êtes-vous un black muslim ?» Clay répond d'abord non. Puis, après une pause, il ajoute « Je ne sais pas, je suis pour les black muslims. » Ses sponsors sont inquiets. De son côté, le boxeur remet en question sa relation avec eux et estime qu'il devrait être mieux payé. Il reprend les mots de Malcolm X et affirme « Je suis mon propre maître, personne n'a à me dire ce que je dois faire. » Même s'ils craignent que Clay ne soit pas assez expérimenté pour battre le puissant Sonny Liston, les sponsors veillent à garantir le match qui pourrait bien être le dernier de leur protégé. I will be fighting Sonny Liston as soon as they get my money right. Only until then. And because this will be the biggest gate in all history. And I expect to be half rich after the fight. Les managers de Sonny Liston veulent profiter de la notoriété de Clay et lui proposent un contrat de près d'un million de dollars. C'est la plus importante rémunération pour un challenger poids lourd. Début novembre 1963, Clay quitte Chicago dans un vieux bus qu'il a acheté pour se rendre à Denver, où il doit tenir une conférence de presse avec Sonny Liston pour annoncer leur combat. À 1h du matin, il arrive dans le quartier de son adversaire et klaxonne. Woke him up and he came out in the middle of the night in his underclothes, his robe, and he had a big stick. And I said, you big ugly bear, you. I'm gonna see you tomorrow for the signing and I'm gonna knock you out in 8. And if you wanna go to heaven, I'll get you in 7. And he got mad and we argued for about an hour. And then the policeman came with dogs. The scene that we had that night, it would have made you think Martin Luther King was demonstrating. Plus tard dans la journée, les deux boxeurs se rendent à la conférence de presse. Clay déclare « Je suis prêt à aller à la guerre. » Le combat est prévu en février 1964, après son 22e anniversaire. Il ne peut plus prétendre au titre de plus jeune champion du monde poids lourd. Here is the eighth round exactly as it will happen. Clay comes out to meet Liston, and Liston starts to retreat. If Liston goes back and inspires her, he'll end up in a ringside seat. Clay swings to the left, Clay swings to the right. Look at young Cassius carry the fight. Now Clay lands to the right. What a beautiful play! And the punch races the bear clear out of the ring. The horizon! And the ref wipes the frown. Why, he can't start counting till Sonny comes down. Who would have thought when they came to the fight that they'd witnessed the launching of a human satellite? Mais presque personne ne croit en Cassius Clay. On pensait tous que s'il parlait autant, c'est parce qu'il était mort de trouille. On lui disait « Ferme-la, Clay. Tu as peur de l'affronter, c'est tout. » Sonny Liston était redoutable. Il écrasait ses adversaires. C'était un char face à un vélo. Celui qui vous dit qu'il savait que Clay battrait Liston est un menteur. They are lying. Who did this guy ever fight? Who? Yeah. Clay? Yeah. He boxed London? London. Box who? Peter Cooper. I mean, what's Peter your Cooper? Name? Cooper. You can lick Peter what's Cooper. The difference? He'll freeze up when he gets in that ring, I'll guarantee you that. What makes you so sure? Listen's too powerful. I'm not going to the second round. Oh, yeah, I always pray for him. I prayed for him during the fight over in England. Cooper, Henry Cooper fight. When he knocked him down, I was praying. Si Cassius Clay est inquiet, il ne laisse rien paraître. Il reconnaît que Sonny Liston est plus puissant, mais selon lui, les grands boxeurs comme Joe Louis ou Sugar Ray Robinson misent sur le jeu de jambes, le rythme et le timing, et pas seulement sur la puissance. Ladies and gentlemen, this is Cassius Marcellus Clay. He's young, he's handsome, they know it. Hey!
À l'approche du grand jour, Cassius Clay et Angelo Dundee regardent les films des derniers combats de Sonny Liston pour trouver des moyens d'échapper à son puissant jab. Ils visionnent également des combats de Sugar Ray Robinson, qui a épuisé des adversaires plus forts que lui avec ses mouvements incessants. Cassius Clay suit un entraînement intensif. Il se prépare comme si le match allait durer 15 rounds. Il est sûr de pouvoir être plus endurant que Sonny Liston, dont les combats durent rarement plus de 3 ou 4 rounds. I'm too fast. Champion I'm the king. Ball to camp. Ball to camp on the crib. Drew Bundini Brown, qui a entraîné Sugar Ray Robinson, est maintenant aux côtés de Cassius Clay. You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. I just let my trainer tell you. Bodini, come here. Bodini, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Rumble, young man, rumble. Lorsque Sonny Liston arrive à l'aéroport de Miami, Cassius Clay est là pour l'accueillir. Well, just to show him how bold I am, I'm ready to go to war if necessary. I'm not jiving. You think that's a good idea, Cass? It don't make me no difference. I mean, I'm ready now. I'm tired of waiting for this fight. I'm nervous. He's got my job. I'm the champ. An unheard of thing happened at the Main Street gym in Miami. Challenger Cassius invaded while Liston was training. If you like to lose your money, then be a fool and bet on Sonny. But if you want to have a good day, then put it on Clay. Je lui ai demandé, tu as peur de Liston? Non, je vais l'achever. Voilà l'attitude qu'il affichait. J'écraserai Liston au 8e round. Tu crois sérieusement que tu vas battre le champion du monde poids lourd au 8e round? Jabbing and left hooking. Jabbing and left hooking. Yeah, I'm a pretty fighter. Yeah, when you know who you are. Quand on se connaît, on n'a pas peur. Et quand on pense être au service de Dieu, du véritable Dieu, dès lors qu'on y croit, on ne craint plus rien. C'était son état d'esprit. Lorsqu'il ne s'entraîne pas pour affronter Sonny Liston, Cassius Clay passe son temps avec Malcolm X, qui a amené sa famille à Miami aux frais du boxeur pour de rares vacances. De son côté, Elijah Muhammad ne voit aucune raison d'associer son mouvement à Cassius Clay. La boxe est selon lui un sport très malsain et Clay une grande gueule qui va certainement perdre. Il demande à son journal Muhammad Speaks de ne pas couvrir le match. Malcolm X voit les choses autrement. La compétition est un combat de l'islam contre le christianisme et à travers Clay, l'islam en sortira vainqueur. Même s'il souhaite voir le jeune athlète gagner, c'est aussi pour une autre raison. Fin novembre 1963, lorsqu'il a déclaré que l'assassinat du président John F. Kennedy était un juste retour des choses, Elijah Muhammad a censuré son prédicateur polémique, lui interdisant de parler en public et de prêcher à la mosquée numéro 7 pendant 90 jours. I've been silent for the past 90 days because of some statements I made concerning the president of the United States. Which were distorted. They were distorted. And yes. And what did you say, Malcolm? Well, I said the same thing that everybody says, that his assassination was the result of the climate of hate. But only I said the chickens came home to roost, and which means the same thing. Climate of hate means that. Affecté par cette sanction, Malcolm X présente immédiatement ses excuses et tente de regagner les faveurs d'Elijah Muhammad. S'il peut lui offrir le champion du monde poids lourd, il obtiendra peut-être son pardon. Mais même avant sa mise à pied, des divergences entre les deux hommes menaçaient déjà sa position à l'intérieur de l'organisation. Malcolm X avait des aspirations politiques. Il estimait que la Nation of Islam devait être plus active sur la scène politique. Elijah Muhammad n'était pas de cet avis, et ça a provoqué des frictions. Malcolm X est déçu par le comportement d'Elijah Muhammad, à qui il reproche notamment de se livrer à la corruption et d'avoir mis enceinte au moins 7 de ses secrétaires. Les lieutenants d'Elijah Muhammad se méfient de la notoriété grandissante de Malcolm X et, décidés à préserver le statut de leur leader au sein de la Nation of Islam, réclament l'expulsion définitive de Malcolm X. Un mois avant d'affronter Sonny Liston, Cassius Clay s'adresse à 1200 musulmans rassemblés dans une salle à Harlem. Il déclare sous une salve d'applaudissements: je suis un militant noir et chaque fois que je vais à une réunion islamique, je me sens inspiré.
Cassius Clay Sr. accuse les musulmans d'avoir lavé le cerveau de son fils. Et lorsque le boxeur est aperçu à Miami avec Malcolm X, cela semble confirmer la rumeur de son adhésion à la Nation of Islam. Le 22 février 1964, trois jours avant le match, les ventes des billets sont bien en deçà des attentes. Bill McDonald, le promoteur qui a organisé l'événement avec ses deniers personnels, prévient Clay que le combat sera annulé s'il ne dément pas tout lien avec l'organisation musulmane. Il refuse. « Ma religion est plus importante que la boxe. » Quelqu'un finit par dire à Malcolm X, « Ta présence ici menace le match, qui risque d'être annulé. Tu veux bien partir ?» Malcolm X répond, « Je vais m'en aller, mais je reviendrai pour le combat. » Entendu. Il retourne à New York. Le combat est sauvé. Le matin même, Cassius Clay arrive au Miami Convention Center avec une veste en jean bleu au dos de laquelle sont brodés les mots « Bear Hunting », chasse à l'ours. Il est accompagné de son frère Rudy, de Sugar Ray Robinson, d'Angelo Dundee, du sponsor William Faversham et de Drew Bundini Brown. Une heure plus tard, Cassius Clay sort des vestiaires et se rend à la pesée. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. D'habitude, les boxeurs s'observaient, mais là, c'était différent. J'ai pensé, il est fou. S'il veut faire son show, il n'a qu'à aller à Broadway. Eh bien, justement, il faisait son show. Liston est arrivé, il l'a regardé, il lui a lancé la ferme. Seemingly unperturbed by Clay's howling, Liston pointed out the round he expected the fight to end. Let us see this. You ain't got teeth. Let us see. Let us see. The fine is $2,500 for his conduct on the platform. Pour couronner le tout, le médecin du comité a dit, je viens de prendre sa tension. Elle est deux fois plus élevée que celle d'un homme en bonne santé. On dirait que son cœur va exploser. Le médecin du comité craint que Cassius Clay ne soit pris de ce qu'il appelle une peur mortelle et se demande s'il est raisonnable de le laisser combattre. Mais une heure plus tard, lorsque le médecin personnel du boxeur l'examine à nouveau, tout est revenu à la normale. Cassius Clay rentre chez lui faire une sieste. J'écoutais la radio quand la nouvelle est tombée. Cassius Clay a été aperçu à l'aéroport international de Miami en train d'acheter un billet pour l'étranger. Le bruit a circulé qu'il était à l'aéroport, qu'il s'était enfui et n'était pas sur place. D'autres journalistes ont répandu cette rumeur. Je suis sorti et je l'ai vu assister au premier combat de son jeune frère Rudy. Il était dans la salle. Il allait disputer le titre mondial et il donnait des consignes à son frère qui participait à un match en 4 rounds. Il nous avait tous menés en bateau. De retour dans son vestiaire, la tension monte. Cassius Clay remue nerveusement. Son médecin, Ferdy Pacheco, le trouve anormalement anxieux. Il était inquiet et paranoïaque. Ses compagnons de la Nation of Islam l'avaient mis en garde. « Méfie-toi du diable blanc. Ils vont s'arranger pour te faire perdre. » Tout le monde parie sur Sonny Liston. La mafia est impliquée dans ce sport. Fais bien attention. En voyant une bouteille d'eau, il a pensé « Il y a peut-être quelque chose dans l'eau. » Alors il a vidé la bouteille avant de la remplir à nouveau. Puis il l'a donnée à son frère et lui a dit « Surveille-moi ça. » Plus tard, Malcolm X rejoint Cassius et Rudy et ensemble, ils se tournent vers l'Est et s'inclinent pour prier Allah. «
Listening in the fourth round because I really think listeners gonna show that man his mouthpiece ain't valuable. Fights are always won with fists and not with mouth talk. I picked listening to win by the fifth round. Third round. Fifth round. I expect in about two rounds. À 22 heures, les boxeurs entrent dans la salle. Cassius Clay est donné perdant à 8 contre 1. This bout, 15 rounds for the heavyweight championship of the world. Quand les deux hommes sont montés sur le ring, juste avant le début du combat, j'ai été frappé de voir que Cassius Clay était bien plus grand que Sonny Liston. Il était plus grand, plus large d'épaule et moins épais. Ce n'était en aucun cas David contre Goliath. Cassius Clay on the move as we see, looking to get Sonny to lunge, carrying his left hand dangerously low. Liston avait un direct du bras avant qui assommait n'importe qui. Quand il frappait de la main droite, c'était fini. Je pense qu'il s'attendait à le faire. Il était à la fois le taureau et le matador. Clay cognait. Boum, boum. Liston était choqué. Cassius affiche son assurance. Je recule peut-être, mais tu me poursuis et je te tends des pièges. Tu me suis et partout où tu iras, je te frapperai. Sonny Liston n'avait jamais vu ça. Il n'était pas préparé. We're down to the closing second of this first round, and the long left lead is making the difference so far by Mr. Clay. Il décoche ses coups en gardant les mains baissées. Pour ça, il faut avoir confiance en soi. The referee did not stop that round when that bell sounded. Perhaps the referee didn't hear it. Into the corner of Cassius Clay, who is still doing the talking. Champion Joe Louis. Well, Steve, I think this was the greatest round of any fight we've seen in a long time. I hope that Clay don't get to the top and then the dude ain't gonna be gonna get knocked out. This youngster has his own style and it's confusing for the champion to fathom this early in the fight. Au troisième round, Clay envoie des directs saillants comme des lames de rasoir. Sonny est décontenancé. Personne ne le croyait capable d'infliger ça à Liston. Il dominait le round. Clay avait rapidement pris le dessus. Il frappait Liston à sa guise et l'a blessé à l'œil. En 34 combats professionnels, c'est la première fois que Sonny Liston est blessé. The champion is strong, durable, takes the good shot. However, he is being outmaneuvered at most points because this fella has that awkwardly fast style of going side to side, moving the upper part of his body. Half minute more in round number four. Au quatrième round, Clay a un problème. On le voit cligner des yeux. En l'approchant, Liston a frotté ses gants contre les yeux de Cassius. C'est à ce moment-là que quelque chose est entré dans ses yeux. À la fin du quatrième round, Clay retourne dans son coin. Il souffre, il ne voit plus. Et il dit à Angelo, « Retire les gants, enlève-les. C'est fini, je ne peux plus combattre. » Le public est déchaîné. Son adversaire sent qu'il y a une faille. Dundee fait de son mieux pour nettoyer les yeux de Clay et le pousse littéralement à reprendre le combat. They're yelling from Cassius Clay's corner. Something got in his right eye. However, he's blinking badly. C'était peut-être un acte délibéré de la part de Liston et de ses entraîneurs. Ils ont appliqué de la crème sur ses gants qui a pénétré dans les yeux de Clay.
Dans le camp de Clay, on criait « Reste à l'écart, reste à l'écart !» Quand je l'ai vu cligner des yeux, j'ai compris qu'ils avaient touché le point faible. Cassius Clay parvient à surmonter le cinquième round. Au sixième, il a retrouvé la vue et prend son adversaire par surprise en lui assénant des directs du bras avant à la tête. Les pommettes de Sonny Liston enflent et l'entaille sous son œil gauche saigne abondamment. Si un boxeur s'en sort après un coup pareil, il va se battre avec une rage décuplée. Je vais te cogner encore plus fort parce que tu as essayé de tricher. En attendant que la cloche sonne le début du septième round, Cassius Clay se tourne vers les journalistes assis près du ring et leur hurle « Je vais bouleverser le monde ». Dans le camp adverse, les entraîneurs massent le champion en titre et appliquent de la vaseline sur ses plaies. So I think that the corner now begin to worry a little bit now. Listen now, I think he don't see too well out both his eyes now because they're pretty well puffed out. Sonny Liston crache son protège-dent. They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. C'est terminé. Cassius Marcellus Clay Jr. est champion du monde des poids lourds. Sonny Liston est conduit à l'hôpital. Il marmonne, ce n'était pas l'adversaire que j'étais censé combattre. Il savait cogner. I like Clay's style. I like that old 1, 2, 3, 3, 4, 5. And let's get together and get some of that old wide. I'm the greatest thing in the world. You're the greatest, baby. The best, baby. Yeah, you're greatest. Les sponsors de Cassius qui ne s'attendaient pas à la victoire de leur protégé se dépêchent d'organiser une fête à Miami Beach. Mais le nouveau champion a d'autres projets. Après minuit, il se rend à la Hampton House, un lieu emblématique de la communauté noire, pour déguster une glace à la vanille. Puis, avec Malcolm X, la star du football américain Jim Brown et le chanteur Sam Cooke, il parle jusque tard dans la nuit de son avenir. Plus rien ne sera comme avant. À 22 ans, Cassius s'est hissé au sommet. Et n'a plus besoin de faire campagne pour participer à un championnat, ni de cacher ses convictions religieuses. Le lendemain matin, il était plus posé.
Être le champion du monde poids lourd impliquait de nouvelles responsabilités. Il en a aussi profité pour faire une déclaration importante. Et Mohamed Ali est né. Like a butterfly and sting like a bee. Ah! Rumble, young man, rumble. Ah!